Geo Wild. Un crotale des prairies, âgé de 6 ans, paraisse tranquillement sous le soleil du désert de Sonora. Cet animal à sang froid est adapté aux conditions de vie dans le désert. Il est tellement venimeux qu'il peut tuer un cheval 1000 fois plus gros que lui. Il sent le danger approcher. Sa langue fourchue capte les molécules odorantes dégagées par les autres animaux. Un grand géocoucou rôde dans les parages. L'oiseau prend de gros risques. Les crotales comme celui-ci mangent les géocoucous. Le serpent mesure 1,30 m de long et ne tient pas à finir dans le gosier d'un oiseau. Il réagit comme tout crotale le ferait. Il émet un avertissement avec sa queue. Sa crécelle est composée de tissus morts qu'il agite grâce à de petits muscles situés de part et d'autre de sa queue. Ses muscles se contractent et se relâchent 90 fois par seconde, soit deux fois plus que ceux qui actionnent les ailes d'un colibri. Mais cela ne suffit pas à intimider l'intrépide femelle géocoucou. Dans ce face-à-face entre deux survivants du désert, celui qui l'emportera mangera l'autre. La vitesse de frappe du crotale est de 2,50 m par seconde. Le géocoucou hérisse ses plumes pour perturber la précision de frappe de son adversaire. L'oiseau sait que même si les crochets du serpent peuvent le tuer, il doit viser sa tête. Sa stratégie ? L'attraper par le cou et le taper plusieurs fois violemment contre une pierre pour le tuer. L'issue est incertaine. Les deux combattants ne possèdent pas les mêmes armes, mais combattent à forces égales. Aucun des deux ne renonce. Finalement, le crotale fait mouche et l'oiseau réagit aussitôt. Même si les grands géocoucous peuvent manger des serpents venimeux, ils ne sont pas totalement immunisés contre leurs morsures. Le venin se répand déjà dans son corps. Ce sera la dernière fois qu'elle s'attaquera à un crotale. De son côté, le serpent sait que dans quelques minutes, il dégustera un bon repas.